1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. Ciao, qu'est-ce qu'ils disent les amis? Alors bien arrivé à Saïgon, le voyage s'est bien passé en train finalement, je dormais à peu près 5-6 heures, donc tout va bien, je pratiquement dormi comme un bébé. Donc je change encore de plan, en fait je reste pas à Saïgon ce soir, 1 ou 2 jours. Je pars directement ce soir pour Sadek, c'est dans le delta du Mekong, en fait il y a des villages flottants dans l'eau. Donc j'ai décidé d'aller là, au lieu de Mito en fait, c'est juste à côté, hein, ça se tient. C'est beaucoup moins touristique et beaucoup plus joli. Donc c'est un conseil d'un Vietnamien qui m'a dit que c'était beaucoup plus joli. Donc on suit les conseils des locaux. Mais je vais quand même vous amener visiter Saïgon. Donc je vais vous amener visiter la place Hô-Chi-Minh, la cathédrale Notre-Dame. Et il y a juste la poste à côté, ça tombe bien. C'est dans l'ancien quartier colonial français. Et je vais essayer de vous amener, si je m'en rappelle, je crois qu'il y avait oui, la grande tour avec un rooftop. On peut boire un café en haut de la tour. Donc voilà, ça sera le programme de cet après-midi, parce que ce matin j'ai fait des recherches pour le Sri Lanka et le Cambodge, donc il me reste plus de cet après-midi à vous faire visiter vite fait Saïgon. Alors une petite présentation d'Hô-Chi-Minh-Ville, anciennement appelée Saïgon et ancienne capitale de la colonie française. C'est après la défaite des Américains pendant la guerre du Vietnam, Saïgon, qui était sous influence américaine, prend le nom de Hô Chi Minh, leader du pays. Même aujourd'hui, elle est couramment appelée Saïgon par les locaux. C'est le poumon économique du pays, devant Hanoï. Elle compte environ 9 millions d'habitants. tu vois, ils sont en train de préparer la fête du Tête qui va commencer le 23 janvier. Là, on est le 20. Voilà, c'est ça, on est le 20. Et donc, je pense que là, cette année, c'est l'année du rat parce que je vois des rats de partout. C'est marqué Tête avec des rats, donc je pense l'année du rat. Alors là, je suis devant la tour Bitexco Tower. En fait, la partie arrondie en haut, c'est un rooftop. Tu peux aller boire un café ou un cocktail et manger un bout. Bon, bien sûr, c'est un prix hyper cher, hyper élevé. Mais tu as une vie sur tout Saïgon. C'est vraiment très, très beau. Tu vois tout Saïgon. Voilà. J'espère qu'on me verra parce que je suis à contre-jour. Je vois Chi. Un petit temple hindou à Saïgon, donc vérité, hein.